Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de La Grappe. Je suis aujourd'hui avec Paul et Lucas. Super. On regarde le sommaire, c'est parti. Paul est de retour pour son G-Show. Simon est parti à la rencontre de Boréal à la cartonnerie de Reims. Et on retrouvera Boréal pour un deuxième concert à la cartonnerie de Reims. Et c'est à toi, Paul. Attention. Attention. Je te laisse t'excuser. Mes chers grappois. Grappois. Mes chers grappois. Pourquoi pas. Je m'excuse de mon absence le mois dernier. Je m'excuse. Arrête, s'il te plaît. Je m'excuse de mon absence le mois dernier. La raison est que je suis en études supérieures à Paris et que je ne peux pas forcément être présent à tous les événements de la région. Du coup, le G-Show aura en cette fin de saison et du coup les prochains épisodes, soit des chroniques, soit des fictions. Ça va dépendre de ton emploi du temps. Exactement. Ça roule. Et là, du coup, tu nous présentes une fiction. Voilà, parce qu'il n'a pas eu le temps de venir. On regarde ça. Eh oui, je t'avais dit de pas jouer avec la grosse queue du chien. Bon, arrête de chialer. Arrête de chialer, clitorin. Clitorin. Bon, tes parents, ils ont pas des goûts de luxe. Regarde la tapisserie. Bon allez, pour te calmer, je vais te raconter une histoire. Dans ma vie, j'ai été SDF. Et en plus, on m'a proposé d'être agent secret. Ah, ce bon vieux OSS-118, comment allez-vous? Juste Paul. Oui, oui, vous avez l'air en pleine forme, hein? Comment vous êtes rentré? Eh bien, j'ai consulté votre adresse. C'est écrit devant la porte. C'est vrai. On m'a dit que vous vouliez être agent secret, n'est-ce pas? Déjà agent secret. C'est vrai. J'ai une petite mission pour vous. Allez hop, suivez-moi. Passez après moi. Merci. Bon, OSS 118. Non, juste Paul. Je ne vous en propose pas. Merci. Je ne vous propose pas de vous asseoir non plus. Merci. Alors, votre mission est très simple. Éradiquer les jupes. Permettez, il fait un peu nuit ici. Je vous en prie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une fois l'été arrivé, les gens s'émoustillent un tantinet. De surcroît, il arrive des catastrophes. OSS 118. Juste Paul. Vous devez aller voir le président. OSS 118. Juste Paul. Le monde change. Les hommes changent. Les jupes changent les hommes. OSS 118. Juste Paul. Le monde compte sur vous. Vous avez une mission, embrassez-la. Prenez-la, saisissez-la, comme le vent. Allez-y, je vous en prie. Merci. Et OSS 118. Juste Paul. Je compte sur vous. Foiré. Enfin, tirez mon coup, moi. Bon. Ah, monsieur le président. Comment allez-vous? Oh, oui, c'est 118, bonjour. Non, c'est comment juste Paul. Très bien. Permettez, il fait un peu trop jour ici. C'est bien, c'est bien. Bon. Je viens vous parler de quelque chose de très grave. Oui, je vous écoute. Mitterrand, votre chien, arrêtez de me lécher les couilles. Oh, Mitterrand, reviens. Oh, lèche les doigts. Ça sert pour le journal après. Non. Je viens pour éradiquer les jupes. Les? Ah, vous pensez pas qu'on en a fait assez en 45? On a perdu un paquet, hein, mon vieux. Vous parlez de quoi là? Vous parlez des juifs, non? Je vous parlais des jupes. Je suis plutôt branché mode. Je pense pas que nous sommes branchés. Je pense qu'on est branchés au gaz ici, nous. Hein. Je demanderai à René à l'intendance, mais. Ah, désolé. Non, je viens car le taux d'incident augmente chaque année, chaque été. Oh, enfoiré. À cause de l'excitation provoquée par les jupes. Mm-hmm. Je pense qu'il faut faire un communiqué national.
et éradiquer ses jupes. S'y va, oui. Oui. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, vous savez quoi, mon vieux ? Non. Je sais plus. Je sais juste qu'il faut que je passe en cuisine. Hop ! Vous pouvez rester là si vous voulez, hein. Oh, le con. Nom d'une jupe. Française, français, je suis votre président. Vous êtes en direct, monsieur le président. Évoquez l'affaire des jupes. Ah oui, les jupes. J'adore les jupes. Au revoir. Enfin voilà la petite histoire, quoi. Mais il dort. Oh ! Clitorin, tu te réveilles, oui ? T'as pas aimé ma petite histoire ? Bon bref, je m'en fous. Je prends les 20 balles que ta mère m'a laissées. Et tu dis pas que je suis parti qu'à 18h, ok ? Allez, salut. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous au cinéma le 22 mai. Non, c'est pas vrai du tout. Non, si vous avez aimé, continuez à vous abonner parce que nous avons passé la barre des... Sans abonnés. Merci Lucas. J'aime beaucoup cette voix neutre. Je suis réactif surtout. Nous avons passé la barre des 100 abonnés sur YouTube, alors continuez de vous abonner, c'est important pour nous sauver. Voilà. Vous aussi vous êtes sur Facebook, hein. Exactement. Il y a plus de monde. Likez. Bah, merci Paul. Du coup, on te retrouve le mois prochain. Exactement. Non, en plus c'est faux ce que je dis. Parce que le mois prochain, on ira à la Magnifique Society, on en parle juste à la fin de l'émission. Et on enchaîne tout de suite avec l'interview de Boréal par Simon. Alors, salut, moi c'est Boréal, Mathéo Caburet. Je fais de la house tropicale. Alors en fait, c'est beaucoup de rythmique avec des percus que j'enregistre moi-même, des marimbas, des dounes, des kenkeni. C'est des percus africaines et puis derrière, il y a des rythmiques house et puis beaucoup de nappes de synthé, des leads. Puis voilà. C'est pas du tout un truc que je fais dans mon live, mais c'est toute la musique brésilienne ou toutes les dernières productions de Yuxek avec Bertrand Burgala ou Fat Neutronic, là c'est des Brésiliens. Tout ça, puis moi quand je fais des DJ sets, c'est tous les sons que j'aime bien passer. C'est les palmiers quoi. Les palmiers, dans tous mes clips, il y a des palmiers. Dès que je vois un palmier, je le prends en vidéo, je le prends en photo. C'est vraiment... Des fois, il y a un peu ça dans ma musique, quoi, l'amour pour les palmiers, tout ça. Je pense que... Bah, déjà, j'ai juste des synthés, de base. Après, j'ai un contrôleur pour avoir la main sur le master, pour faire des filtres, mettre des reverbs, des delays, du chorus, enfin voilà, tout ça. Et puis j'ai un launchpad, c'est pour... on met des sons dedans, des samples, puis comme ça je peux jouer les samples en live, que ce soit des samples de percus ou une voix, ou des petits synthés aussi des fois qui sont samplés. Peut-être deux ans et demi, mais ça fait vraiment... ça fait un an vraiment que je fais des concerts sous le nom de Boréal, quoi. Je l'ai pas acheté, c'est ma grand-mère qui me l'a passé. L'autre fois, j'ai pris un kebab et puis elle m'a mis de la viande et j'avais pas vu. Et j'étais deg. Voilà. Tu l'as mangé quand même ? Ah non. Je l'ai pas mangé. Merci beaucoup, Simon. On te retrouve le mois prochain. Et c'est l'instant de la pub. Salut, c'est Tony. Vous avez des travaux à faire chez vous ? Pas de soucis ! Appelez donc Bricomagouille ! C'est deux fois moins cher, mais c'est deux fois moins bien fait ! Et les résultats ne sont pas tout à fait garantis. Chez Bricomagouille, on a une spécialité, c'est la rénovation de votre maison.
Nous, on fait de la cave au grenier, mais jamais en passant par le rez-de-chaussée. C'est parce qu'on a un peu la flemme, vous voyez. Vous le savez, un escalier, ce n'est jamais trop dans une maison. Nous, on vous en perce où vous voulez. Des escaliers comme ça. Bien évidemment, la poutre est vendue séparément, c'est un petit peu dangereux. En parlant de poutre, si vous la faites tomber, c'est à vos risques et périls, c'est écrit dans le contrat. Vous n'aimez plus vos anciens meubles, on s'en occupe. Avec nos fameux talents d'électricien, nous refaisons même l'électricité. Branche-toi, salope. On construit des murs où bon nous semble. On décroche vos télés quand vous voulez. Vous n'aimez plus vos peintures? Vos murs sont moisis. Nous avons nos méthodes. J'espère vous avoir quand même convaincu avec tout ça. N'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche juste ici. Et n'oubliez pas, pour vos travaux, appelez les Bricomagouilles. Ah, c'est bon comme ça? Bah du coup, c'est vraiment deux fois moins cher. T'es con quoi, c'est au moins deux fois plus cher, mec. Allez, vas-y, coupe. Et on arrive à la fin de l'émission. Yes. Il est content, Paul. Yes. Abonnez-vous surtout. Ouais, c'est vrai. Continuez de vous abonner et continuez de liker sur les réseaux sociaux. Allez, bisous, salut.